Le mystère des dragons disparus. Texte de Liang Yong, illustration de Liang Yong et Hong Yuan. Il y a très très longtemps, vivait ici, au pays des dragons, la grande famille Tulong. Ils étaient si nombreux que c'était une vraie tribu. Leur seule activité était de chasser des dragons, si bien que tout le monde finit par les appeler les Tulong, tueurs de dragons. Nous ne savons que très peu de choses d'eux, car ils vivaient cachés dans la forêt. Une chose est sûre, tous les enfants, même petits, apprenaient à devenir de vrais guerriers courageux, chasseurs de dragons. Lorsque les pères partaient à la chasse, ils emmenaient les petits bébés afin de les habituer à la forêt et aux animaux qui y vivaient. Quelquefois, après une longue marche, papa tueur de dragons se reposait un peu et se promettait d'être suffisamment fort et courageux pour attraper un dragon lorsqu'il en rencontrerait un. Et chose incroyable, il arrivait parfois qu'un enfant lui-même réussisse à attraper un dragon. Il était alors très, très heureux. Et sur le visage des hommes de la tribu Tulong, regroupés autour de la tête du dragon pour vérifier si l'énorme animal était bien mort, on voyait la fierté d'avoir dans la famille un garçon si courageux. Mais trouver des dragons n'était pas si facile. Il fallait chercher sans cesse, partout, plonger au fond de la mer, et même se glisser dans des crevasses dangereuses entre d'énormes rochers. Certains Tulong poursuivaient les dragons très très haut dans les airs lorsqu'ils en avaient repéré un. De même, aucun endroit sur le sol n'était laissé au hasard. Ils cherchaient vraiment partout. Et bien sûr, à force d'être chassés et tués, les dragons furent de moins en moins nombreux et cela devenait vraiment difficile d'en trouver. Il arriva que ni le grand-père durant toute sa vie ni le père durant toute sa vie, ni le fils ne puissent plus chasser. Puis il fallut bien se rendre compte que malheureusement, il n'existait plus de dragon, plus un seul dragon sur toute la terre. Plusieurs années passèrent, certains enfants commencèrent à demander à leur papa « Papa, mais qu'est-ce que c'est un dragon ?» car ils avaient entendu parler de ces animaux, mais n'en avaient jamais vu un seul. Sans dragon à chasser, la tradition des Tulong allait disparaître. Quel malheur ! Mais qu'avait-il fait ? La famille se réunit et prit une grande décision. Il ne fallait absolument pas que les dragons disparaissent de la mémoire des Tulong. C'est ainsi que certains Tulong se mirent à graver des dragons sur les murs des cavernes, se servant d'échafaudages qu'ils avaient construits. D'autres Tulong sculptaient des dragons dans la pierre pour en faire des statues. Les grands-pères Tulong rédigeaient des poèmes sur de grands rouleaux de papier. Bref, tous les moyens furent utilisés pour raconter tout ce qu'on savait des dragons, afin que les enfants Tulong ne les oublient pas. L'univers des enfants Tulong se remplit alors entièrement de dragons. C'était comme si les jouets devenaient des dragons. Même la locomotive du train avait la forme d'une tête de dragon. Les contes dans les livres d'enfants ne racontaient que des histoires de dragons. Les chiffres au tableau à l'école avaient eux aussi des têtes de dragons. Attraper un dragon était devenu le rêve de chaque enfant Tulong. Les enfants Tulong se mirent à chercher sans cesse des dragons. Longtemps, très longtemps. Même devenus adultes, ils cherchaient encore. Et puis un jour, quelques enfants Tulong, les plus courageux d'entre eux, décidèrent de grimper tout en haut d'une montagne où personne n'était encore jamais allé. Là-haut, dans les rochers, chose incroyable, ils découvrirent une immense grotte. Et se glissant dans un long tunnel qui menait au centre de la montagne, ils firent une fantastique découverte, la cachette des dragons.
les animaux étaient si bien cachés depuis si longtemps que personne avant les enfants n'avait découvert leurs secrets. Curieux, mais un peu craintifs tout de même, les enfants appelèrent tout doucement. « Oh, et les dragons, où êtes-vous ?» Encore plus affolés que les enfants, les dragons, en entendant soudain des voix, se serrèrent les uns contre les autres pour se protéger. Ne pouvant plus se retenir, les enfants crièrent de joie. « Nous avons trouvé des vrais dragons ! Nous avons trouvé des vrais dragons !» Les enfants Tulong avaient tant rêvé de dragons qu'ils s'étaient mis à les aimer énormément. Quel bonheur pour eux de les avoir enfin trouvés. « Dragons, n'ayez plus peur. Nous sommes vos amis maintenant. Nous sommes si contents de vous voir. Ne craignez plus rien. Personne, plus jamais, ne vous fera de mal. »